Ajoutez cette plante à votre alimentation quotidienne le plus rapidement possible. Utilisée depuis la nuit des temps pour ses vertus médicinales, la caroube est originaire de la région méditerranéenne. Son arbre, le caroubier, se trouve naturellement en Anatolie du Sud, Chypre, Syrie, Espagne, Maroc, à Algérie, Tunisie, Libye et Israël 2 ml. Le caroubier ressemble au cacaoyer. En boulangerie, ses graines sont souvent utilisées comme substitut du cacao. Cet aliment sucré est riche en nutriments et en antioxydants efficaces pour traiter certaines maladies. La composition de la caroube. La caroube contient beaucoup de minéraux tels que le fer, le calcium, le magnésium, le phosphore, le zinc, le cuivre, le mangane et le sélénium. Ce fruit est également riche en proïnes, vitamine B6, acide folique, thiamine, riboflavine et niacine. Par ailleurs, les polyphénols contenus dans cette plante sont d'excellents antioxydants qui gèrent le corps des dommages causés par les radicaux libres et les toxines. Les vertus de la caroube. Sont des vertus gastro-intestinales. Ces fruits sont d'herpoutes pour leur pouvoir de régulation de la fonction digestive. Par voie orale, la caroube régule le transit intestinal grâce à sa haute teneur en fibres, soigne les diarrhées chroniques, les affections gastro-intestinales, les berlures d'estomac et la constipation. La gomme de caroube aide à traiter les reflux gastro-œsophagiens et soulage l'irritation du côlon. La caroube stoppe la diarrhée chez les nourrissons et les jeunes enfants grâce à sa capacité à absorber l'eau. Sont des vertus cytotoxiques. Il est important de noter que la caroube a des propriétés cytotoxiques, elle est donc capable de détruire certaines cellules. La farine de caroube est efficace dans la lutte contre le cancer de l'utérus. Elle contient également des ingrédients actifs contre l'asthme et contre les déclencheurs de l'asthme allergique. De plus, la caroube ne contient pas de caféine, elle est donc idéale pour les personnes ayant une pression artérielle élevée. Sont des propriétés anti-allergiques. Les tanins du caroubier contiennent de l'acide gallique, connu pour ses propriétés anti-allergiques et antibactériennes. Le calcium et le phosphore ont une influence positive quand il s'agit de soulager les symptômes ou réduire le risque d'ostéoporose. Cet aliment est donc bon pour les dents, les os et les gencives. Soit un aliment minceur. La caroube est aussi un excellent allié des régimes amaigrissants. D'études scientifiques ont prouvé que cette plante médicinale permettait de traiter les problèmes de surpoids et d'obésité en inhibant, d'une part, certaines enzymes digestives grâce à son importante quantité de tanins, et en offrant une sensation de satiété d'autre part. Par ailleurs, ces riches nutriments peuvent prévenir d'éventuelles carences au cours des régimes amaigrissants. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à l'utiliser sous forme de poudre dans vos plats sucrés ou la consommer sous sa forme naturelle comme collation? Vous pouvez par exemple ajouter une cuillère à soupe de poudre de caroubier dans la péote à biscuit, car en plus des apostrophes. Négation logique très analyse à note, cette plante est savoureuse.